Carte numéro 39, retire ton masque. On est nombreux en fait à avoir des masques pour cacher en fait qui on est vraiment, pour correspondre à ce qu'on imagine que la société attend de nous, que notre famille attend de nous. Souvent on peut mettre aussi le masque du sourire pour montrer que tout va bien, puis en fait à l'intérieur vous êtes juste dévasté. Donc c'est aujourd'hui retire ton masque et montre qui tu es vraiment. C'est-à-dire tu peux montrer tes émotions réelles, t'es triste, tu peux montrer que t'es triste et c'est ok, t'as le droit. Tu peux montrer que t'es en colère, c'est ok. Du moment en fait que tu ne déverses pas tes émotions sur les autres, que juste tu communiques dessus, mais que tu ne les déverses pas, c'est ok d'être vraiment qui tu es. Et tu verras que c'est beaucoup plus agréable de vivre avec qui tu es vraiment sur le moment, parce que du coup, si tu te permets d'être qui tu es à chaque moment, tu n'as plus jamais besoin de te cacher. Et tu n'as pas besoin de te remplir avec un dérivatif. Et tu n'as pas besoin de péter un câble régulièrement, puisque tu es toi à chaque moment. Tout ça est un entraînement, bien sûr, mais choisis, ose, décide, teste. Teste de retirer ton masque, ne serait-ce que pour une journée ou pour une heure, et d'être vraiment toi-même et voir en fait quels sont les résultats par rapport à ton ressenti intérieur et par rapport à comment se comporte l'entourage en fait avec toi. Et ça m'intéresserait que tu me fasses le retour de ça, parce que retirer un masque, quand tu le fais, ça autorise aussi les autres à retirer leur propre masque, et là on commence vraiment à avoir des intérêts.